et on se retrouve pour l'épisode 5 de la série Hidden Buttons 9, où c'est que j'étais dans des ruines du désert. Et j'ai une épée. Ouais, non, mais je suis en peaceful. J'allais dire, est-ce qu'il y aura des mobs, mais non. Enfin, à part si ça a été changé. Je sais pas si on peut, on peut changer avec des commandes blocs, il me semble. Bon, alors là, il y a un passage, mais j'aime pas du tout passer dans un endroit comme ça. Et je sais pas ce que j'ai ouvert, mais là c'était. Ça a l'air d'être un passage vraiment. Enfin, il m'a semblé avoir entendu un piston. Ah, c'était ici. Donc, du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un levier quelque part dans cette salle? Cette dalle est vraiment très bizarre. Enfin, il y a un petit bug d'éclairage. On dirait qu'il y a un passage derrière, en fait. Mais ah non, c'est juste, je crois, le shader qui provoque cette erreur. Oui, je suis vraiment très mauvais en parcours. Et quelque chose me dit que là, il y en aura. Et voilà. Et là, ça ouvre ce passage vers la salle suivante. Ça, je pense, c'est un checkpoint. J'imagine que c'est pour me dire que je peux y aller sans crainte. Et là, je pense que ça veut dire que je peux marcher sur. Aïe! Et voilà, c'était bien un checkpoint. Ils sont sympas. Et voilà, une mort de plus. Pour l'instant, tout se passe, je dirais pas bien, mais et plein de boutons. Je peux pas les presser, par contre, il y a des murs. Ah non, je peux. Non. Ah. J'ai compris, donc est-ce que je vais avoir, oui, je vais tricher un petit peu parce que pour distinguer les différents types, c'est un petit peu difficile. Donc c'est Birch. Je vais même noter. Je prends juste un papier parce que j'ai pas envie de quitter le bureau. Enfin, j'ai pas envie de quitter le jeu plutôt. Autrement, j'aurai de nouveau des erreurs de shader. Alors, le premier, c'est Birch.
Le deuxième, c'est Stone. Ensuite, Oak. Spruce. Et enfin, le dernier, c'est Acacia, j'imagine. Acacia. Et donc, je peux y aller de manière sereine. Alors, Birch. Deuxième, c'était Stone. Oak. Spruce en troisième. Et enfin, Acacia. Je pense que j'ai fait déjà une partie du puzzle de ce niveau, mais c'est pas encore terminé. Donc là, j'ai trouvé le premier levier. Il doit y en avoir un deuxième qui permet d'ouvrir cette porte. Apparemment, il y a toujours deux leviers. En tout cas, dans ce niveau-là, je vérifie que c'est bien ça. Ouais, on voit que ça coupe. Donc, cherchons le deuxième levier. Ah, la salle est pas très grande. Après, j'ai déjà démontré mes capacités à tourner autour de ce que je cherche pendant un bon moment sans le trouver. Ouais, j'ouvre les bruitages. Je pense que c'est les bruitages de base de Minecraft, ça. Le sol me semblait bizarre, mais non. Ah. Pour une fois que je trouve vite. J'ai trouvé ce que je cherchais, mais maintenant il faut encore l'atteindre. Et le passage est ouvert. Et il fait très sombre. Mais voilà le fameux bouton de la zone. Et apparemment, c'était le dernier épisode. Alors, c'était le même livre qu'au début. Du coup, je vais peut-être faire un petit montage et coller ça avec l'épisode précédent. Ce serait dommage de faire un épisode de 2 minutes. En tout cas, j'espère que cette petite aventure vous a plu. Donc, il existe 8 autres épisodes faits par le même créateur que je n'ai pas joué, mais. Mais si vous voulez tester, vu que là vous connaissez déjà tous les emplacements, autant tester sur une carte neuve. Donc je vous mettrai les liens dans la description. Et j'espère vous retrouver très vite sur une nouvelle série. Je vous dis à la prochaine, bye bye.